Donc on se retrouve pour un nouveau tuto pour mettre son avatar en nouveau slot en .x2m. Donc pour ça, il vous fera ce logiciel, CAC2X2M. Donc ça, c'est je vous mettrai le lien dans la description. Donc vous l'ouvrez. Et là, en fait, vous allez devoir rechercher votre sauvegarde. Donc si vous êtes sous Steam, ce sera donc dans Programme Films. Donc là, Steam. Là, moi, je l'ai mis dans l'application parce que j'ai mis un sous-dossier. Dans User Data. Et ici, les numéros peuvent être différents. Et ici, vous la voyez, j'ai ma save sous Steam. Après, pour votre crack, ça dépend. Moi, ça s'installe ici dans Save. Donc, vous voyez, je récupère ma save. Je fais ouvrir. Là, ça me demande quel personnage je souhaite mettre. Donc là en l'occurrence, admettons, je vais mettre lui. Donc ici voilà. Donc ici vous pouvez choisir soit vous-même votre code. Donc c'est l'idée en fait du chara, donc de votre personnage. Donc là du genre ça va être NDD. Si je fais générate random. Et ici on peut voir ces différents costumes que j'ai. Bon là en l'occurrence par exemple je vais mettre qu'un slot. Parce que c'est tous les mêmes costumes. Voilà. Vous n'avez plus qu'à faire, ok. Ça va vous demander de sauvegarder votre mode. Donc là, mettons, je vais noter avatar. J'enregistre. Voilà. Après, on ouvre tout simplement xv2ins, comme on fait d'habitude. Donc là, je vais vous montrer, je ne l'ai pas. Hein. Vous voyez. Et je vais tout simplement installer mon CAC que je viens de convertir. Donc limite dans le bureau, ici, avatar. On ouvre, on installe. Et on n'a plus qu'à rallumer le jeu pour constater. Donc voilà, une fois revenu en jeu, donc vous voyez là, c'est mon avatar classique que voilà, j'ai mis ici. En .x2m sur un nouveau slot. Donc après vous pouvez aussi également très bien le modifier en utilisant xv2 chara create. Donc par exemple voilà, vous pouvez très bien lui modifier ses techniques, son animation de combat, enfin voilà, ce que vous voulez, son aura pour faire comme vous le souhaitez. Voilà, bah c'était un tuto très simple. Voilà, donc à bientôt pour un nouveau tuto.